Bonjour et bienvenue au 23e live des jeudis de l'ODD17. Le thème du mois porte sur les impacts et les trajectoires pour réussir les transitions. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Rousset, directrice exécutive de Convergence, qui est une plateforme de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer qui promeut les ODD. Convergence agit pour susciter la réflexion et l'action, diffuser les bonnes pratiques et favoriser la co-construction de partenariats innovants à fort impact sociétal. Bonjour Fanny Rousset. Bonjour Armelle. L'ambition de Convergence est donc de réduire la pauvreté, lutter contre l'exclusion et le changement climatique. Vous animez une mobilisation globale et concertée de l'ensemble des acteurs et des actrices indispensables pour conduire le changement. C'est à la fois individuellement et collectivement que chacun et chacune peut œuvrer pour un monde zéro exclusion, zéro pauvreté et zéro carbone. Pourriez-vous nous présenter Convergence en quelques mots? Avec plaisir, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Donc Convergence, on est une association, on existe depuis 15 ans. On a vraiment été créé sur le constat que à l'époque, déjà en 2008, il y avait énormément de silos très fermement ancrés entre les différents secteurs de la vie sociétale, donc économique, institutionnelle et aussi de la solidarité au sens large. Et Convergence, donc qui fait partie du groupe de solidarité internationale ACTED est né avec mandat de fédérer, de rassembler ces différents acteurs autour d'objectifs et d'une vision commune qui est celle d'un monde plus juste, plus durable, plus inclusif. Et donc, notre mandat, c'est vraiment de permettre le partage de bonnes pratiques d'un secteur à l'autre, de favoriser l'émergence de partenariats multi-acteurs à fort impact, et bien sûr, de créer des lions, des ponts, pardon, entre les différents acteurs afin d'avancer, comme vous le disiez, de manière collective vers l'agenda 2030 que nous avons traduit par l'ambition 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Donc, pour ce faire, voilà, on est une plateforme, on mobilise 300 partenaires dans nos groupes de travail en France et à l'international qui représentent l'ensemble de ces secteurs. Et ils se mobilisent pour collectivement proposer des outils, donc éditer des baromètres, des livrables où les professionnels pourront trouver des ressources, des points de vue, des méthodologies sur les questions de finance à impact, sur les questions d'économie sociale et solidaire, et aussi en lien bien sûr avec les objectifs de développement durable. Et ces groupes de travail, évidemment, sont à l'origine de la programmation de forums qu'on organise à travers le monde, où voilà, on rassemble des centaines ou des milliers d'acteurs pour échanger, partager et créer des projets ensemble. Merci, je retiens donc votre idée de fédérer et de rassembler le plus largement possible en France, mais aussi à l'étranger. D'ailleurs, le Forum 3.0 de Convergence aura lieu la semaine prochaine, le 17 à Paris, sur le thème Amplifier notre pouvoir d'agir. Cette nouvelle édition, d'ailleurs, met plus que jamais le doigt, l'accent sur les solutions concrètes co-construites localement et sur la place des territoires. Après 15 ans d'action, ce que vous nous rappeliez tout à l'heure, constatez-vous une évolution sur la place des territoires dans les transitions? Alors, effectivement, c'est déjà, enfin, la place des territoires dans ces grands enjeux globaux de développement durable et inclusif, on l'intègre de facto depuis des années. Et d'ailleurs, notre partenariat avec le Rameau illustre bien cette prise en compte des territoires dès la genèse de Convergence. Mais c'est vrai que ça fait 2 à 3 ans qu'on essaie de l'illustrer, de le matérialiser de manière plus tangible dans nos activités. Amplifions notre pouvoir d'agir. Voilà, c'est notre manière de traduire le fait qu'on estime que pour que chacun, chacune, effectivement, puisse prendre sa place, puisse s'équiper pour contribuer avec efficacité à la transition juste et solidaire, il faut que cela se fasse à l'échelon le plus proche des enjeux, des problématiques et des ressources, et donc à l'échelle territoriale. Évidemment, l'échelle globale, c'est-à-dire le constat des grands enjeux de notre époque, les grands cadres réglementaires, les grandes orientations sont essentielles. Ça, je dirais que c'est notre langage commun. C'est ce qu'illustrent aussi les ODD
voilà, à travers l'agenda 2030. Mais on observe aussi une mécanique de mise en œuvre beaucoup plus localisée, une envie, une ambition de s'approprier ces enjeux-là, ces outils, et de facto de créer une sorte d'ingénierie, de créer des réponses, des projets, des mécaniques qui répondent aux spécificités des défis d'un territoire donné. Et ça, c'est valable aussi bien pour la France que pour les Philippines, que pour le Sénégal ou la Colombie. Voilà, il y a un langage commun, mais c'est important pour nous que les acteurs et actrices du territoire puissent s'en emparer et les décliner selon leur propre compréhension, leurs propres besoins. Merci beaucoup Fanny. D'ailleurs, cet événement, donc le forum qui aura lieu donc la semaine prochaine, proposera des outils concrets et innovants pour permettre à tous d'agir à toutes les échelles et faire entendre la voix de tous. Le Rameau y interviendra lors d'une table ronde suivie d'un atelier pour y présenter les résultats de la méthode Impact et Trajectoire qui a été initiée en 2020 avec le fonds ODD 17. Est-ce que vous pourriez nous présenter la programmation de ce forum et nous donner des exemples d'ateliers pratiques qui outilleront les participants pour des actions locales plus efficaces et impactantes? Bien sûr, avec plaisir. Donc, comme je l'ai dit, cette programmation, elle est le fruit d'un travail collaboratif sur tout un cycle de réunions conduit sur 2023-2024. Et donc, on le veut représentatif autant que possible des enjeux qui ont été identifiés comme essentiels par voilà par les acteurs de la communauté Convergence. Les membres des groupes de travail ont choisi cinq piliers thématiques pour cette édition autour de cette notion d'amplification de notre pouvoir d'agir, un pilier autour de la formation et de la sensibilisation de la formation pardon, au développement durable tout au long de la vie, un pilier thématique au cours des enjeux de gouvernance inclusive et participative, comment s'assurer que chaque partie prenante puisse prendre part au processus de décision, que ce soit dans la vie d'une organisation ou dans l'espace public, un pilier bien sûr lié aux questions de finance impact, d'évolution de nos modèles économiques, un pilier transversal dédié à la mesure d'impact de nos actions et évidemment le pilier lié à la co-construction territoriale qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le Rameau est un acteur essentiel du forum depuis ses débuts, mais cette année encore, vous allez pouvoir y présenter des travaux assez novateurs. Il y aura d'autres acteurs à vos côtés pour porter ces sujets. Donc je peux peut-être mentionner la session qui est pilotée par les groupes de travail de convergence qui va tourner autour des leviers pour activer vraiment une co-construction territoriale durable. On s'interrogera sur comment cartographier les acteurs et les actrices sur un territoire et identifier leurs besoins, comment identifier les bonnes pratiques et renforcer l'accessibilité et le dialogue autour des différentes parties prenantes et comment créer du lien et favoriser voilà, l'émergence de dynamiques partenariales pérennes au sein d'un territoire. On aura une session assez concrète sur l'engagement territorial des entreprises, comment la mesurer, comment la renforcer, qui sera co-organisée avec la FNCE, la Fédération nationale des caisses d'épargne. Nous aurons également un atelier assez pratique sur comment coopérer, voilà, parce que c'est un petit peu la coopération multi-acteurs, on en entend parler depuis bien longtemps, mais comment concrètement permettre cette ingénierie. Donc ça, ce sera aussi piloté par une structure qui s'appelle la Fonda. Et puis il y aura plein d'autres choses. On aura une session sur la transition écologique accessible à toutes et à tous et comment les coopérations au sein d'un territoire peuvent s'assurer de l'atteinte de ce résultat. Ce sera proposé par la Massif. ACTED, cette organisation de solidarité internationale, nous posera ces enjeux de comment renforcer l'innovation territoriale à travers le globe, de Manille à Niamey, comme je disais, et bien d'autres encore, un atelier sur comment accompagner et financer la transition écologique dans les territoires par le labo de l'ESS. Orange nous proposera une conférence sur la question, le rôle des entreprises en lien avec les handicaps et comment intégrer les personnes en situation de handicap
étape favorise la construction du tissu social au sein du territoire. Nous aurons un atelier sur le lien social au sein des territoires comme levier également de transition et bien d'autres. C'est difficile de tous les citer. Je peux que vous encourager à vous y rendre parce qu'il y aura effectivement des conférences, des sessions un petit peu plus d'inspiration et d'enjeux, mais aussi une grande proportion d'ateliers très pratiques justement pour acquérir beaucoup d'outils et de méthodologies et j'espère de potentiels partenaires. Alors finalement, c'est un forum ouvert à tous, pour tous, et chacun y trouvera réponse à ses questions. J'espère bien. En tout cas, c'est notre pari, notre promesse depuis 15 ans. Et voilà, on entame cette 16e édition. Donc, c'est qu'on parvient à y répondre. Et voilà, et je pourrais peut-être terminer en disant que c'est un forum qui met vraiment l'accent sur le concret, sur l'outillage des acteurs, comme vous le disiez, pour que chacun, chacune puisse ressortir avec un sentiment effectivement d'inspiration et de compréhension, mais surtout d'apprentissage et de ressources pour démarrer l'année et voilà, relever les défis qu'on se fixe chacun dans le cadre de nos mandats. Et pour venir au forum, tout simplement, nous passons par le site internet Convergence ou bien le site internet directement du forum. On s'inscrit et ça aura lieu au 104 à Paris le 17 septembre prochain. Voilà, on vous attend nombreux, nombreuses. Merci beaucoup, Fanny. Merci Armel merci. Pour cet échange. Je vous en prie, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la page du site de Convergence pour vous inscrire au forum. Nous serons ravis de vous y retrouver. Nous nous retrouvons en octobre prochain pour le 24e live des jeudis de l'ODD 17 pour évoquer les enjeux de la territorialisation de la transition écologique, notamment sur les petits et moyens territoires faiblement dotés en ingénierie locale. D'ici là, n'oubliez pas, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous chaque semaine pour une information, un portrait et un outil pour agir ensemble face à nos défis communs. À très bientôt!